عيغ دي الغرفة تزليتي دنس لا صغور خلوي الناس فلس يعفور بويمي تعديت زليتي كي نكيني غلقا نعمد لا غلني وفيغ ديماني وذي قبت الشيخ محمد وروح سخمي مولاني وروح سند كرا تزليتي كي الصوضي السري دارت حمد إيه سرما ياك وذيك بعدن غفت مورت ياك إغريبن إيمينيين أمسكي أضوضن أزرن تيوشولي إنسان دويد إيش ذهن ذا راديو نيميديا وميد سلام سريتي ماريكان إيتي كلت النظام تن ميريا وكي ويد تي ذي قلان داقي أما كان نمسا سنو ميان يالس نصفت لونا أحزب يرى القضاء ذي وثن تمليليت لكو ذي وثن تدويلت إيد سلام صغور دكتور ناسيما سنيني أزو لنصو في العسلمة السلام سونيا صافا لاباس منكم يا ورا بصافا الحمد لله صحيح الحمد لله هتان طاس سيدي استقسين في اللام لا نذكر مدن ادقرني ناس هذا غدف كونجي دو مالادي تصا وحدي وحدي داكور هذاني اشو داكور ني غاس نوقيلا حسب ميمان ونقلي كندي ثمورت نكوني داكيني ماشي داين اي سهلن نكوني ما تروح دار الطبيب تروح هذاك ميداوي ما قلا تحوج الاوف ني غادام تي ديالك ما قلا تحوج دار ماشي وين يسعن في فاس نار كيماس د الطبيب هادي روح از ديف كلور دونونس هادي قيماس كواس كخا مكا انا وي سا سي لالجيري ايه يا غسيك يا قلاغ نملالد نتكمل دايما تقوني عنان اطانن ايدي شدن سلكترا غير سلاوين وزري غير ما يقلا يركزن سعن لوندوميتريوز نغالا خاطر يتكد سي ثراو ثكا نتمطوط سكوسكي ونداغني زري غير ركزن سعن لابروستات تاكيا دايني فانن ماشا اندوميتريوز اكيني ما يقلا يتبان دحاشا غير سلاوين ناغ لانكرا كركزن ايتيسان خاطر الكونسير دو سان نو فاب لي كولا دير كازن ساعود Oui, alors le cancer du sein, effectivement, il y a 1% de cancer du sein qu'on peut voir chez les hommes, mais l'endométriose, non. Donc on va continuer les discussions dans le cadre des pathologies gynécologiques. Les émissions de la Rakegia. L'émission de on a parlé du cancer du col. Soura, un élichetroch souffle l'col de l'utérus, en avoir le corps utérin. Dans l'utérus proprement dit. Avant déjà que je commence la discussion à l'endométriose, déjà, l'utérus, on peut avoir plusieurs pathologies. Entre autres, l'endométriose, le cancer de l'endomètre, le fibrome utérin et tout ça. C'est-à-dire que les femmes, elles doivent faire déjà la différence. Elles doivent différencier entre l'endométriose, le fibrome utérin et au coup de le cancer de l'endomètre. C'est trois pathologies différentes. Mais j'y kiffe. Pour commencer, l'endométriose, eh bien, c'est pas un cancer. Ça, c'est pour commencer déjà. Le fibrome utérin non plus, c'est pas un cancer. Le cancer de l'endomètre, oui, c'est un cancer. Voilà. Maintenant, pour comprendre c'est quoi l'endométriose, il a un fait déjà l'anatomie de l'utérus. D'accord, l'utérus nord, l'utérus des femmes, il a trois couches, trois tuniques. Sur le plan histologique, il y a trois couches. Donc, l'utérus, si on fait une coupe longitudinale, l'utérus, il a trois couches. La couche interne, l'endomètre. La couche mylène souffle là, c'est le muscle, on appelle ça le myomètre. La couche qui est à l'extérieur des varas, celle qui entoure
l'utérus, c'est la séreuse, c'est la couche graisseuse. Mm-hmm. Nous, on va s'intéresser à l'endomètre, c'est-à-dire à la couche interne. L'endomètre, c'est quoi? Il est constitué d'un tissu. C'est ce qu'on appelle la muqueuse endométriale, dans la muqueuse de l'endomètre. Mm-hmm. Alors, c'est au niveau de l'endomètre, d'ailleurs, que l'implantation embryonnaire se fait. Mm-hmm. Au cours de la grossesse, l'implantation de l'embryon il se fait au niveau de l'endomètre. On est d'accord. Mm-hmm. Bon. On va s'intéresser uniquement à cette couche interne qui est l'endomètre. Mm-hmm. L'endométriose, donc, c'est une maladie, d'accord, c'est une affection gynécologique qui touche pratiquement une femme sur dix. C'est quand même pas rien. Une femme sur dix, ça a l'endométriose. Alors, l'endométriose, maintenant, c'est quoi? C'est tout simplement la présence d'une muqueuse, de la muqueuse utérine endométriale en dehors de la cavité utérine, qui est normalement la localisation normale. C'est-à-dire que, au lieu, chez ces femmes-là, que c'est un endométriose, au lieu de la muqueuse endométriale au niveau de l'utérus, c'est-à-dire au niveau de l'endomètre, qui est la localisation normale, Niftis a aussi ce tissu-là dans d'autres organes que l'utérus. C'est-à-dire, ça a été la muqueuse aiguë, mm-hmm. au niveau de, par exemple, on crème toujours de l'appareil gynécologique, donc, au niveau des ovaires, au niveau des trompes de Fallope, au niveau du col utérin, c'est-à-dire, c'est une présence qui est anormale de ce tissu-là, de cette muqueuse-là. C'est quand la fécondation n'a pas eu lieu. La couche de l'endomètre, si tu veux, il y a une petite rupture, et on a le sang par la suite. Ça c'est une hypothèse. Les causes de l'endométriose. Jusqu'à ce jour, on ne sait pas réellement d'où ça vient. Ce que tu viens de dire est une hypothèse. C'est vrai qu'il y a des chercheurs, il y a beaucoup de médecins qui ont fait des recherches. En fait, ça reste toujours une hypothèse. C'est-à-dire que jusqu'à ce jour, rien n'est confirmé. Mm-hmm. D'ailleurs, il y a même d'autres hypothèses de les causes de l'endométriose. Il y a certains qui disent non, l'origine est infectieuse. Il y en a d'autres qui disent non, il y a une origine auto-immune. Non, l'origine est génétique. Bon, il y a plusieurs hypothèses, mais jusqu'à ce jour, la vraie cause est autre. Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a la présence de cette muqueuse endométriale dans une place qui n'est pas normale. Soit la muqueuse endométriale au niveau des ovaires, au niveau des trompes de Fallope, au niveau du col. Bon, ça c'est pour rester dans l'appareil gynécologique. Dans des rares cas, on peut même trouver cette muqueuse endométriale dans d'autres organes. Par exemple, la vessie. Les femmes ils ont une endométriose vésicale. Au niveau de la vessie, on peut trouver la muqueuse aiguë au niveau de la vessie. Uh-huh. Dans de rares cas également, ce qu'on appelle une endométriose digestive. Oui, c'est-à-dire les intestins. Voilà, au niveau des intestins, au niveau du sécrum, au niveau du côlon ascendant, au niveau de l'appendice, ça peut se voir également. Aussi, dans de rares cas, ce qu'on appelle une endométriose pulmonaire, c'est-à-dire au niveau du poumon. Mm-hmm. Donc, c'est des formes qui sont rares. C'est vraiment rare, mais ça existe.
ou dire le cara parce que c'est pas un cancer, mais ce c'est pas des métastases réellement. Bon, ils utilisent le mot aigu de métastase endométrielle, mais en fait c'est pas un cancer, donc on peut pas parler réellement de métastase de gauche de guerre. Mais ou dire le cara des neurones sauf, mais il est s'arrête à la base. Voilà. Maintenant, pourquoi ou juste, etc., on ramène jusqu'à ce jour, on ne sait pas réellement la vraie cause d'être là. Mais par contre, on peut citer quand même quelques facteurs de risque. Ça, il y a certains facteurs qu'on a prouvé, qu'ils peuvent donner cette endométriose durant la vie de la femme. Par exemple, les femmes qui sont âgées c'est ce qu'on a trouvé jusqu'à ce jour. Hein. Le fait de les femmes, par exemple, qui sont âgées entre 25 et 45 ans, elles ont plus de risques d'avoir une endométriose. Celles qui n'ont pas eu d'enfants, celles qui ont eu un passé gynécologique opératoire, mais c'est les interventions gynécologiques, qui ont eu également des règles précoces, c'est-à-dire qui ont eu le cycle avant l'âge de 11 ans, celles aussi qui ont un cycle court. On a découvert que c'est des facteurs qui sont fréquents en fait, chez les femmes qui ont cette endométriose. Bien sûr, l'endométriose est bien, elle se voit chez la femme qui n'est pas ménopausée. Après la ménopause, c'est fini. Maintenant, on va voir les symptômes. C'est-à-dire que la femme a une endométriose. Alors, le premier symptôme le plus fréquent, le plus courant, c'est les règles abondantes et douloureuses. C'est-à-dire qu'il y a un cycle abondant et douloureux. C'est-à-dire que des douleurs intenses, vraiment insupportables. Surtout entre le troisième et le quatrième jour du cycle. Kif, qu'elle soit mariée ou pas mariée, le symptôme est dysmerthasiotiaco. Maintenant, pour les femmes qui sont mariées, bon, je vais dire ça. Bon, les femmes maintenant qui ont des rapports sexuels, bon, qu'elles soient mariées ou pas, c'est leur problème, c'est pas le nôtre. Les femmes qui ont des rapports sexuels, les douleurs au moment des rapports. Alors, les douleurs au moment des rapports, c'est ce qu'on appelle nous les dyspareunies. Voilà, des douleurs au moment des rapports avec même des crampes pelviennes qui sont vraiment intenses. C'est-à-dire les crampes au niveau du pelvis. Voilà. Donc, les symptômes aiguës, ce que je veux dire, c'est que la femme met sur les symptômes aiguës, il ne faut pas qu'elle se dise, bon, c'est rien, c'est pas grave, ça va passer, j'ai rien du tout. Surtout les femmes qui ont des rapports sexuels, si elles ont des douleurs au moment des rapports, elles doivent consulter, elles doivent voir leur gynéco. C'est ça le message en fait. D'ailleurs, ça me fait rappeler l'histoire que tu m'as racontée la dernière fois. Né, le monsieur Nick, Voilà, c'est ça. Alors que finalement, à la fin, elle avait une endométriose. Voilà. Donc les règles douloureuses, c'est ce qu'on appelle les dysménorrhées. Les douleurs des rapports, c'est les dyspareunies. L'un d'autres symptômes, c'est les douleurs lombaires, les douleurs sacrées au niveau du rachis, en bas du dos. Donc l'endométriose et les douleurs. Bien sûr. Là aussi, des femmes, ils seront des douleurs au moment de la miction. Donc, de toute façon, les symptômes aigus, donc ils peuvent être en rapport avec l'endométriose. Quand on se met sur les symptômes aigus, elle doit consulter. Voilà. Jusque-là, est-ce que ça va déjà? Est-ce qu'on fait déjà un petit peu ce qu'on appelle une endométriose?
Ensuite, maintenant, comment on fait le diagnostic? Il a commencé à consulter le gynéco. Le gynécologue, bien sûr, il va lui faire une échographie, c'est la moindre des choses. À l'échographie, déjà, l'échographie pelvienne, bien sûr, si elle est bien faite, et si le radiologue est bon, déjà, il peut voir les kystes d'endométriose. Donc, déjà, il peut faire le diagnostic. Après, il y a d'autres examens qui sont plus performants, l'hystérosalpingographie, voire même l'IRM. L'IRM réellement qui est un très bon examen pour diagnostiquer l'endométriose. Ensuite, il y a un point important. La cancer de l'endométriose, c'est surtout les complications. Les femmes, ils s'arrêtent à l'endométriose. En fait, il y a deux complications importantes. C'est l'infertilité et l'impact de l'endométriose sur la sexualité. La première complication, l'infertilité, avant de parler de l'infertilité, déjà les femmes, donc elles doivent faire la différence entre infertilité et stérilité. Quand je dis infertilité, ça ne veut pas dire stérilité. C'est pas pareil. Mais l'infertilité, en fait, c'est la difficulté. C'est la difficulté de tomber enceinte, de faire une grossesse. Jusqu'à ce jour, on a découvert que dans 30 à 50% des endométrioses dans des infertilités, c'est-à-dire les difficultés de faire des grossesses. Les explications à Feinstein, nous, c'est pas ce que, les femmes, c'est pas ce qui les intéresse. Tout ce qu'elles doivent savoir, c'est que les femmes israéliennes, une endométriose, elles doivent se faire traiter. Il leur passe un traitement, mais leur un traitement médical, voire même chirurgical dans de rares cas. Et une fois souhaite le traitement, etc., une fois que l'endométriose est traitée, elles peuvent tomber enceinte par la suite. Mais il y a des cas, la grossesse ne se fait pas facilement, même si on traite l'endométriose avec le traitement médical et tout ça. Et donc, du coup, des fois, on a un recours à une insémination artificielle, voire même une FIV, la fécondation in vitro. Oui, il y a tous les gens qui ont fait le travail. Oui, enfin, ils couple tous les deux, ça a un problème, ça ils pourquoi pas. Ismer, mais en fait, c'est une endométriose qui reste au niveau de l'appareil gynécologique, ça se peut. Mais là, c'est une endométriose qui sort au-delà de l'appareil gynécologique. C'est une endométriose pulmonaire, non digestive, là, ça part pas comme ça. Oui, mais ça ne marche pas à tous les coups. Ça peut marcher, mais ça ne marche pas à tous les coups, malheureusement. Ça c'est la première complication. La deuxième complication, c'est l'impact sur la sexualité. C'est-à-dire, les femmes XAN, le problème est la maladie de l'endométriose. Déjà, du 1, il y a cette histoire de douleur au moment des rapports. Les dyspareunies. Et le deuxième problème, c'est la baisse de libido. Alors, c'est-à-dire la baisse du désir sexuel. C'est-à-dire que les femmes, ça a l'endométriose aiguë en général, ça a une baisse du désir. En général, elles ont tendance à refuser les rapports. En fait, il y a même une composante psychologique derrière parce qu'elles appréhendent la douleur. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions déjà avant que j'avance? Arthur, mais elle. D'accord.
Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Oui, la relation entre l'endométriose et le cancer. Donc, il y a déjà le début, l'endométriose, ce n'est pas un cancer. Il y a peut-être des femmes qui se posent la question, est-ce que l'endométriose peut se cancériser, des maladies naturelles de cancer, etc. Je dis non, le risque est vraiment très minime. Mais peut-être que tu as fait deux choses différentes. Sauf l'endométriose que tu as fait n'a pas de rapport avec le cancer. Mais jusqu'à ce jour, ils ont découvert que l'endométriose peut donner un cancer de l'ovaire surtout, mais un pourcentage minime, c'est inférieur à 1%. Il y a des formes, des types histologiques rares de cancer de l'ovaire qui sont dus à l'endométriose, mais à l'endométriose de l'ovaire. سجلينا مدن مسلي غفلي غوسس نافته ديست تند يلي يزمر الحال يزمر لا عطاسي دينان بليك تشكي تمطوط ثورود بعد ما راتو غال تفكين سكنت اللام بعد 40 يوم يزمر الحال أزدو غالنت لي سيمبتوم لندوميتريوز النساء وقبلتي لي ستاديست إلا ويان غالا Oui, ils meurent effectivement, parce que la grossesse elle-même, c'est pas l'accouchement lui-même, c'est pas ça le traitement. En fait, elle aura toujours à la définition de l'endométriose. Mais en fait, le tissu endométrial, la muqueuse endométriale, elle est au niveau de l'ovaire, etc. En fait, c'est ça qui donne les symptômes. Donc, mais là, même si c'est rude, même si elle a accouché, mais il est de la muqueuse endométriale, mais au niveau des trompes de Fallope, au niveau des ovaires, etc., ça veut dire que les symptômes sont les mêmes, c'est sûr. Alors, la première des choses, c'est les symptômes. Les femmes, elles doivent faire attention à ça. Les femmes, durant les règles, les qui ont des règles abondantes et celles qui ont des douleurs au moment des rapports. Les femmes, elles doivent consulter. Il y a des l'endométriose, il n'y a pas de dépistage, on ne peut rien faire. C'est des signes d'appel. C'est ces signes-là qui doivent motiver la malade à consulter. Voilà. C'est tout. On va admettre au gynécologue. Le gynécologue, il va faire son travail. Après, c'est lui qui va chercher le diagnostic, c'est lui qui va lui faire l'échographie. C'est une recherche de l'IRM. Voilà. Après, il y a des examens à faire. وزرين ترى سقوشو إيديكا ويجي أميك إتزمر سلمزيث أتزر ميجلس على الأندوميتريوز نغالا أبغى لي دول Oui, attention, oui, c'est vrai. Attention, les jeunes filles, la nekegi, la seule réponse qu'on leur donne, c'est mes autres amis. Alors, pour ces jeunes filles-là, elles doivent consulter. Il n'y a pas 36 000 solutions. Elles doivent consulter. Ça peut les douleurs aiguës, au fait, ils mettent tout simplement des sites c'est les kystes. Attention, les jeunes filles, c'est les kystes au niveau des ovaires. Et mais lors des mères à l'échographie, on ne le saura jamais. Des troubles hormonaux, peut-être même un bilan hormonal, il y a des choses à faire. Mais il y a l'endométriose, elles doivent traiter, c'est-à-dire la pilule, c'est pas dans la pilule contraceptive RS9, qui est un traitement hormonal, base de progestatif, etc., voilà, pour traiter. Voilà, parce que les jeunes filles, c'est des kystes, même aux ouïtas, ça ne veut pas dire que c'est une jeune fille qui n'est pas mariée, donc au sorohara, un gynécologue, ça, c'est pas, ça ne colle pas du tout. Voilà. Tu vois, on a le traitement. Comment on traite? Comment il faut traiter cette endométriose? Alors, en général, un traitement médical suffit.
un traitement médical, c'est-à-dire les comprimés. La première des choses, on traite déjà la douleur. La femme, il s'agit d'une endométriose en général, elle est tout le temps douloureuse. Il n'y a qu'un traitement pour la douleur. La deuxième des choses, c'est la pilule. C'est ce qu'on appelle les progestatifs de synthèse. Pourquoi en fait la pilule est en fait c'est pour bloquer les menstruations, pour bloquer le cycle. En fait, c'est la seule solution. Des fois, on donne un traitement, on bloque le cycle pendant 6 à 18 mois. Voilà. Pour mettre, le principe, c'est quoi? C'est pour mettre la muqueuse au repos, la muqueuse endométriale au repos, et dans ce cas, on se regarde les symptômes. L'énosis qu'on appelle les antigonadotrophines, les analogues de LHRH, enfin, tout ça, c'est des traitements hormonaux, c'est des hormones qu'on donne pour bloquer tout simplement le cycle menstruel. Voilà. Vous voyez, les traitements. Plus rarement, même la même hormonothérapie, ce qu'on appelle les inhibiteurs de l'aromatase. Bon, en tout cas, les médicaments, il dit, c'est le gynécologue qui les donne. Mais monsieur de nous connaît, comme ce n'est pas un cancer, donc nous, on ne traite pas ça. C'est le gynécologue qui traite l'endométriose. Dans de vraiment de rares cas, normalement, une fois la femme, ça date pendant la ménopause, normalement, il n'y a plus rien, ça y est, il n'y a plus de symptômes, il n'y a plus rien. Mais dans de rares cas, mais là, la femme, ça a encore, c'est-à-dire si les symptômes persistent, mais les mesures, ça a les symptômes de la femme après la ménopause, dans de rares cas, on a recours à la chirurgie, c'est-à-dire l'hystérectomie, c'est-à-dire la femme et la prostate, l'utérus. Okay. Mais ça, c'est vraiment. Déjà, la différence entre partielle, hystérectomie partielle, l'hystérectomie totale, ou l'ablation de l'endomètre. Alors l'hystérectomie totale, ça veut dire l'utérus, l'utérus complet, plus les annexes, plus les trompes, etc. Ce qu'on appelle une chirurgie complète. Mais l'ablation de l'endomètre, c'est la couche interne. Ça c'est pas une hystérectomie. On peut le faire par exemple avec un laser, lorsqu'on a avec une électrocoagulation. D'ailleurs, on peut traiter l'endométriose comme ça, avec un laser, avec une électrocoagulation. On détruit juste la partie néant, l'endométriose. Voilà, on a que l'endomètre en complet. C'est-à-dire qu'il y a la couche née interne. Mais l'hystérectomie totale, quand on parle d'une hystérectomie totale, on a que l'utérus. On a que l'utérus, voire même les annexes et les trompes. Mais c'est pas l'indication dans l'endométriose. Hein. C'est pas l'indication. De l'endométriose, on fait pas ce qu'on appelle une chèle. Une chèle totale, c'est une colpo-hystérectomie totale avec une lymphadénectomie. Ça veut dire que c'est le col, l'utérus, les ovaires, les trompes et tout ça. Mais ça, c'est en général, c'est dans les cancers, pas dans l'endométriose. Merci. Ou partielle, hystérectomie partielle, l'endage, les ovaires et les trompes. Par exemple, dans les fibromes. Par exemple, dans les fibromes utérins, dites ça qu'on appelle les métrorragies, il y a des femmes qui saignent, et que ça aigne les fibromes utérins, même si elles sont jeunes, c'est quoi, on n'arrive pas à arrêter le saignement, et on a recours à des hystérectomies. Mais dans les scènes utérins, c'est à la couche. أتصن ثلاثي نقلان تجديدين سعنت الاندوميتريوز نا اندوميتريوز اسم كاملاتي دي نفس قليزي تكنيه سهل تشكي ايزوج انت دروح انت غار طبيب خطر وتر وانترا تجديدين اتي ثلاثين تيمينوثين اضوح تار طبيب استييني هاتن دا شو سعمت ادك تنكس لوتيروس نيثن تين تاقوادن تقارتس الا تاقوينت الا وصغارة الدرية وتكس غارة لوتيروسينو لاشا دي نفس لوينيجي Oui, en fait, le traitement de l'endométriose, c'est pas l'hystérectomie. L'hystérectomie, c'est vraiment dans des cas vraiment très rares chez les femmes qui sont ménopausées, mais surtout ça atteint le cycle, mais quand même ça atteint les symptômes. Donc, en fait, le traitement de l'endométriose, c'est pas l'hystérectomie. Le traitement de l'endométriose, c'est les hormones, c'est la pilule, c'est la prise de progestatif.
Maintenant, mais il a un certain nombre d'autres pathologies, par exemple, mais il a un fibrome vraiment très important qui n'arrête pas de circuler. Généralement, c'est les fibromes qui disent que c'est un d'awir. Oui, c'est des filles qui saignent beaucoup, ça a des métrorragies, on n'arrive pas à arrêter le saignement malgré tous les traitements qu'on donne, etc. L'un des rares cas, on est obligé d'opérer, c'est-à-dire de faire des hystérectomies chez des femmes, même où ça a été interdit. Bon, c'est des cas extrêmes, mais ben, c'est comme ça, mais la santé de la femme prime. Oui, non. Nkemmel gwen yana li traitement yagi alors les traitements c'est ça c'est la pilule dans les progestatifs l'est aussi des injections c'est les injections qu'on fait tous les mois tous les trois mois c'est des analogues de LHRH en fait c'est pour bloquer le cycle tout simplement il y a le laser dans des rares cas aussi on a recours à un traitement chirurgical. On peut détruire les foyers nés l'endométriose avec un laser, avec une électrocoagulation. Et sinon, dans des cas extrêmes, voilà, chez les femmes ménopausées ou mais elles s'arrêtent les symptômes aiguillants, des fois on a recours à une hystérectomie. En plus de tout ça, il a un peu aussi à la médecine douce. Quand les femmes ont l'endométriose, il reste quand même une prise en charge psychologique. Voilà, prise en charge psychologique déjà pour les aider à mieux appréhender la douleur et du deux parce que les femmes aiguës en général ça a aussi des problèmes de couple parce que ça a des problèmes de oui, non. Enfin, parce que, voilà il y a un impact de cette maladie sur leur sexualité. نعم دير جازنو فهمنا راه ارغاز ماكلا تنطدي سنيس لا اوتوماتيكمون ساعه حبيب شي قرار oui, oui, bon, mais si, enfin, pour moi, un homme qui pense cela de sa femme, c'est qu'il la mérite pas, tout court. Voilà, donc voilà, mais c'est pour ça que j'espère ergaz nous certes, c'est l'enchaînement sur le sujet, même si ça les intéresse pas peut-être, mais j'espère que vous donnez le hadja. Voilà, il y a aussi un problème de la médecine douce aussi, l'acupuncture, l'ostéopathie, enfin, les séances de psychothérapie, tout ça, on peut quand même le proposer chez les femmes présentant une endométriose. Khatara la langue, c'est des femmes quand même qui souffrent. C'est des femmes qui souffrent parce que, voilà, chaque fois sur le cycle, elles ont mal. À chaque rapport, elles ont mal. Il y a la douleur, elle est intense, elle est chronique. C'est des femmes qui souffrent, donc tout cela a un impact sur leur appareil psychologique. Voilà. Les symptômes. Elles auront toujours mal, elles auront toujours des règles abondantes, voilà, elles vont souffrir, c'est tout. Il n'y a pas de risque de cancérisation. Bon, le risque, il est minime à 1%, donc ils se mettent le cancer de l'ovaire. Bon, ça, ils l'ont prouvé. Mais, c'est-à-dire, les symptômes, ils seront là. Si elles ne traitent pas, c'est les douleurs, c'est la souffrance. Voilà. Ça c'est les effets de traitement, la pilule, les progestatifs et tout ça, ils meurent. Après, une prise de poids par la suite, mais ça c'est les traitements, on n'a pas trop le choix. C'est pas systématique. Les stériles, surtout les infections, mais c'est pas systématique les endométrioses, non. En fait, il y a une hypothèse, voilà, il y a une origine infectieuse derrière, mais jusqu'à présent, ça n'a pas été prouvé. ما قلنا أتخذ مضطس تلاوين تقشيشين أتخذ مصر فيتا يحمان
كافو عبوضي من فعروري ميوكن اديكس وقراح مني زمرات تحمض ميكروند واتسرصاد زمرات تحدد ضوات السرصاد سيكوال اي جينيس تنقاس لي دولوغ نا اقراح فغي غزرا ما يقلا اي جيدينك تعاونن نا غدينك تضرون تمطوط. Bon, avoir, je pense pas de tiroir, mais moi, à ma connaissance pour la douleur, ils vont mieux utiliser les poches de glace. Pour le, ça agit mieux sur, le, sur la douleur. Mais bon. Oui, oui, oui. Pour la douleur, ça agit mieux, mais ce n'est pas une solution. Ça, c'est juste pour la calmer qu'elle, mais ce n'est pas une solution. Icy Hot, c'est la guide américaine, sur le fleuril. وقبل الزرار ذا شو سعير تذاك اللي خدمه يوكلنا ذيك الصحنة نعم ولا شو كان دقيق وخدمة شغالي من صباح يلا وقراح مقرن بغيغ الزرار ما قلا يجيد غني تعاون غلا Et oui, ça, ça peut aider. Enfin, il y a une composante anti-inflammatoire. Oui, oui. Oui, mais ça reste un traitement symptomatique. Oui, ça reste un traitement pour la douleur, mais sans plus. Ce n'est pas une solution non plus. Voilà. Oui, oui. À part le doigt, je ne vois pas trop pour l'endométriose. Peut-être l'acupuncture, l'ostéopathie, enfin, peut-être. Je sais que c'est un peu plus de temps. Et je sais que c'est un peu plus de temps. Je sais que c'est un peu plus de temps. Je sais que c'est un peu plus de temps. Je sais que c'est un peu plus de temps. Et je sais que l'endométriose est un peu سيفو كديوغال أميك إنزمر أزن خدم ما يقول يروح دا ليبو ما مكا جيد إني دغار ثورين إنا غير روح ريزرمان إنا مكاتي دنكس سوباراسيون نسلي زغمون Alors, on commence toujours par un traitement médical. Mais si ça marche pas, il y a des cas dans on a recours à la chirurgie. Par exemple, dans les endométrioses vésicales, des fois, on a recours à ce qu'on appelle des cystectomies partielles, c'est-à-dire une partie de la vessie. Dans le digestif, dans des rares cas aussi, des fois, on peut avoir recours aussi à la chirurgie, c'est-à-dire que c'est la partie néante de l'endométriose. Dans le poumon, par contre, il n'y a pas de chirurgie. Dans le poumon, ça donne ça se manifeste par ce qu'on appelle des pneumothorax périodiques. Voilà, donc là par exemple on ne peut pas opérer, là c'est le traitement médical, donc c'est au cas par cas. La pilule est une pilule qui est une pilule C'est ça, en fait, la pilule née déjà, elle est faite à base de progestatif. Oui, ça c'est sûr. Sauf si on leur fait une hystérectomie à un âge. Les symptômes guérent que la ménopause. Une fois que je me dis la ménopause, ce goye guérit, un mec est zmer à trave l'enchta. En fait, c'est-à-dire les femmes jeunes, une hystérectomie, en fait, la femme elle est ménopausée dès le moment où elle est née, l'utérus. Pourquoi? Parce que la ménopause, c'est quoi? La ménopause, c'est le rapport unus, c'est les hormones. Une fois que la femme, on va dire en moyenne 55 ans à plus, les ovaires, ou les hormones. Mais c'est l'utérus, c'est les ovaires. Néram de totale hystérectomie. Hystérectomie totale, ça veut dire que c'est les ovaires, l'utérus, etc.
Dans ce cas, elles m'attendent des symptômes précoces, effectivement. La ménopause au cours du temps. Justement, là, il y a une tremzite de New York, Et voilà. Et Ergazis, j'imagine qu'il est kabyle algérien, c'est ça? Oui, c'est kabyle. C'est kabyle. C'est la procédure qui est de la société américaine. Oui, ça, ça revient à notre société, à notre culture qui est encore au bas niveau. On nous a toujours appris que le mariage c'est pour la reproduction d'ailleurs. Oui. C'est juste pour avoir des enfants, sinon c'est une femme handicapée qui ne sert à rien. Alors que normalement on se marie pour le meilleur et pour le pire, mais تيدون زويجرا اوري لا قراي كذا ودنتار سبيطار ben wagi cham dinar wagi oui fihimara je suis désolée mais c'est comme ça da fahmo fihimara puis wagi mérite pas ni ati tawer américain ni rien du tout la qad qima hadi qima ndito et point c'est tout daya ten mes de chne dan na dagdir no da nasi mai wasagi Alors, comme Mazal Archetah le Wakf, avec l'endométriose, je pense qu'on a fait un peu le tour. Mais on a toujours des affections, des pathologies de l'utérus, le cancer de l'endomètre. Juste pour faire la différence, l'endométriose, ce n'est pas un cancer. Le cancer de l'endomètre, c'est le cancer. Voilà. Alors, le cancer de l'endomètre, nous fait aussi des facteurs de risque inus qui fait ça va être pratiquement à l'endométriose mais c'est pas vraiment pareil la puberté précoce par exemple la ménopause tardive les femmes nullipares c'est-à-dire qui n'ont pas eu d'enfants le traitement hormonal substitutif de la ménopause ils ont prouvé que ça peut donner un cancer de l'endomètre il y a le tamoxifène s'il y a des maladies ça a un cancer du sein Le tamoxifène, c'est un traitement hormonal, c'est une hormonothérapie qu'on donne dans le cancer du sein, et pas tous les cancers du sein, dans les cancers du sein RH positif, mais le traitement yéguien, il se met comme effet secondaire par la suite un cancer de l'endomètre. C'est pour ça que les femmes, ils ont un cancer du sein, c'est le traitement yéguien qu'on appelle tamoxifène. Nar le nom le Vadex, le commercial c'est le nom le Vadex. Il a qu'azart belik il peut donner, mais il a trouvé une stustidine. Il a qu'azart belik le traitement yéguien, il se met à dire comme effet secondaire un cancer de l'endomètre par la suite. Il y a aussi les ovaires polykystiques. Les femmes qui ont aussi des kystes, des ovaires, ça a été prouvé que par la suite, il peut donner un cancer de l'endomètre. Ce n'est pas systématique, mais ça reste un facteur de risque. Il a aussi le diabète. Le diabète de type 2, mais regardez le diabète, on a deux types. Il a le diabète de type 1 et il a le diabète de type 2. Alors le diabète de type 2, Xmeren Div, par la suite aussi a un cancer de l'endomètre. Ça peut se voir. Le diabète de type 2, en général, ça fait chez les patients qui sont obèses, qui ont un surpoids. Non, mais chez Koulé, ce n'est pas systématique. Mais ça reste un facteur de risque. Les femmes aussi qui ont
les femmes sédentaires, la sédentarité, celle qui bouge pas, enfin le manque d'activité physique. C'est-à-dire qu'on fait du sport, on le hara, etc. Ça aussi, c'est pas bien, ça reste un facteur de risque. Après, l'est aussi, Narlène, aussi les facteurs génétiques. Les familles, certaines maladies génétiques, certains syndromes, ils meurent aussi, sur un terrain familial. Et il y a le terrain familial peut favoriser également le cancer de l'endomètre, entre autres ce qu'on appelle le syndrome de Lynch, le syndrome de Cowden. Alors, le cancer de l'endomètre, il est pareil, malheureusement, il n'y a pas de dépistage. Donc, on peut pas le dépister avant. Mais le message que je veux transmettre pour toutes les femmes, c'est que les symptômes, d'ailleurs même les symptômes de l'endométriose, même les symptômes, les fibromes, les douleurs pelviennes, les dysménorrhées, c'est-à-dire les douleurs des moments les règles, ce qu'on appelle les métrorragies, c'est-à-dire les saignements en dehors du cycle. Les symptômes de l'endométriose, mais la femme saine, elle doit consulter son gynécologue. Le cancer, surtout les femmes qui ont dépassé 55 à 60 ans. C'est surtout le cancer de l'endomètre en général, on ne le voit pas chez les femmes jeunes. C'est surtout les femmes qui ont dépassé 55 voire 60 ans de ça. Donc devant ces signes-là, il a que la femme être consultée parce qu'au fait, c'est des symptômes qu'on peut trouver dans n'importe quelle affection gynécologique, que ce soit des alcools, que ce soit des fibromes utérins, de l'endométriose, tout ça. Donc, les signes égalculés, c'est pour ça que, et malheureusement, je dis encore une fois, il n'y a pas de dépistage, c'est pas une pathologie qu'on peut dépister avant. Il y avait un dépistage, c'est le frottis. On fait un frottis, donc on peut dépister un cancer du col utérin, mais le cancer de l'endomètre, il n'y a pas. On ne peut pas le dépister avant. Donc c'est les signes aiguës qui doivent motiver la femme à consulter le gynécologue. Ça peut être beaucoup de choses, mais est-ce que déjà, elle a quel âge déjà la femme? La cinquantaine, 52. D'accord, elle a des enfants, elle n'a pas d'enfants. D'accord, et tu auras les ménopausées, je suppose, non? Moi je pense qu'elle doit consulter. Il a qu'à consulter. Quelqu'un qui est mère à dîner, il a qu'à consulter. C'est une échographie pelvienne. Ça peut être beaucoup de choses. Elle a mal, elle doit consulter. Prolapsus, c'est qu'elle. Alors un prolapsus. Les prolapsus génitaux, les prolapsus génitaux, c'est des grades. Il y a des grades dans même on est obligé d'opérer. Les prolapsus, c'est autre chose. Donc, il a de consulter, effectivement. سان ميرتي هي غسنيني فيدا كي سعني سقسيين دير سيدي سدونة ثني دهجين فاشل دن مسلي نكمل مسلي غف الكونسير Alors, le cancer de l'endomètre, bon, je pense que ce qui intéresse les femmes, on ne va pas rentrer dans les détails, à part des cancers de l'endomètre, il y a des
Il y a des, en fait, c'est des stades d'arène, c'est-à-dire qu'il y a des cannes dans nos pères, il y a des cannes dans nos pères, puis on fait la radiothérapie et la chimiothérapie par la suite. Il y a des cas où, quand c'est métastatique, on fait uniquement la chimiothérapie. Bon, regarde, c'est entre parenthèses. Donc, le message qui va intéresser les femmes, je suppose, de veine et de nerfs, c'est les symptômes. Je le redis encore, mais il s'arrête des saignements en dehors du cycle, mais il s'arrête les douleurs pelviennes. Elles doivent pas négliger les symptômes SUT, elles doivent consulter le gynécologue parce que le cancer de l'endomètre ou l'ISARA, le dépistage. Voilà. Ça, c'est le message. Ça, c'est le message. Okay. Après, à côté de tout ça, il y a le fibrome. Voilà. Donc, ça, les femmes, elles doivent faire la différence entre le cancer de l'endomètre, l'endométriose et le fibrome utérin. Le fibrome, c'est pas un cancer. D'accord. Le fibrome, c'est une tumeur bénigne. C'est une tumeur bénigne qu'on trouve au niveau de. Qui touche le myomètre. Le muscle de l'utérus. L'utérus, il a trois tuniques, il a trois couches. Il a l'endomètre, il a le myomètre ou il a la séreuse. Mm-hmm. Donc le fibrome, il touche le muscle, il touche le myomètre. En fait, c'est une tumeur, mais c'est une tumeur bénigne, le fibrome. C'est pas malin, c'est pas un cancer. Les fibromes, il y a trois types. Mm-hmm. Il y a ce qu'on appelle le sous-muqueux, l'interstitiel et le sous-séreau. Donc, tout dépend de déformer le fibrome. Et puis, le fibrome, sur le plan clinique, kiff-kiff, les signes, les symptômes que tu me chèvres. C'est toujours les douleurs pelviennes, c'est toujours les règles abondantes, c'est toujours les douleurs, les saignements, les saignements hors cycle, mm-hmm. le message le plus important. Mm-hmm. Mm-hmm. Merci.